ça va? C'est Hugo. Est-ce que je peux... Je me présente, je suis Madame Maïga. Je représente aujourd'hui l'ambassade du Niger dans ce salon qui est très belle opportunité pour toutes les ambassades, pour tous les pays africains de se rencontrer, d'avoir des échanges et surtout avec l'Algérie justement qui aujourd'hui commence à avoir cette dynamique en fait d'échanges avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Et vraiment, nous avons pu voir plusieurs sociétés justement algériennes que nous ne connaissions pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est une initiative à encourager. Merci. Je suis Sorodogo Adjara de la boutique Adjara's World. Aujourd'hui, je suis au salon des Africains pour représenter mon pays qui est le Mali. Cet événement a pour but de nous rapprocher, c'est-à-dire que ce soit l'échange avec les Algériens ou avec les autres pays d'Afrique, comme on a le Sénégal, le Mali, et la Tanzanie, Cameroun et autres. Oui, bon, toute chose, il y a un début à toute chose, malgré qu'on soit en retard, parce que ce qui est vraiment dommage, c'est le fait qu'on soit si proche et surtout... mais que le courant ne passe pas entre nous. Quand je dis le courant ne passe pas, vous voyez en Algérie ici, quand vous partez dans les grandes surfaces, vous voyez des choses de la Turquie, d'autres continents qui sont loin. Alors que, quand on prend l'exemple du Mali, le Mali il est tout juste à côté. C'est-à-dire ce qu'on le souhaite d'augmenter les échanges et de faciliter tout voilà. Ce qui est en place. Et ce salon est un moyen, comme j'ai dit, c'est un début, il y a un début à toute chose. Donc, justement, même si on est en retard, avec le temps, avec ce genre d'événement, les gens vont commencer à s'habituer, même les responsables, on a la présence des ambassadeurs, des gouverneurs et tout, des walis. Comme ça, ils vont mettre ça ils vont prendre connaissance de l'existence des Africains en Algérie ici. Ils vont se rendre compte et peut-être qu'il y aura des avis positifs pour ce jour-là. C'est-à-dire le salon, il est un événement très très important, c'est surtout... Exactement. C'est comme je dirais que c'est même l'un des pliés, parce que c'est un soassement qu'ils sont en train de poser. C'est comme si on était en train de construire une maison, il faut passer par le soassement. Là, on pose les petits soassements et après, peut-être qu'on aura un building, pourquoi pas. Je vous remercie.